Thank you.
une lumière resplendit. Tu as fatigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit en faisant la boisson, comme on dit Dieu en partageant les bouteilles des vies, et écoute les vêtements, car le jour qui désastreux, le bon temps de votre cristal dans le monde, le choix du chien de votre vie, tu es abusé comme au jour de la gloire sur la terre. Toutes les chaussures des saisons, qui tiennent réellement les autres, tous leurs manteaux couverts de sang, les voyants brûlés, les voyants dévorés. Oui, un enfant nous gagne, un fils nous a été donné. Les chiens du pouvoir et sur son départ, on portera le son nom. Merveilleux conseiller, Dieu le Père, Père de la jeunesse, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étend à vous. La terre sera sans fin pour tomber, pour gravir le pouvoir de l'homme. Il sera solidement établi sur le droit et la justice. Dès maintenant, et tout le temps, voyons ce que fait l'amour et la paix du Seigneur de l'Union. Parole sainte. Lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
et chacun allait se faire instruire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire instruire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs, des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux, l'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous allez un sauveur à la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu.
crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui est un juste et puissant de celui qui est dans sa chair, qui a été conçu du Saint-Esprit, mariée de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et bien sauvé, et descendu en enfer, au bord du jour où ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père du Saint-Esprit. Nous l'aimons à Jésus, qui est en train de je crois à l'Esprit Saint, à la sacrifice de la vie, à la communion des saints, à la rédemption des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oh, Jesus.
et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui te règne pour les siècles des siècles. Amen.
qui nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au nom de toute grâce et tout bien. Pardonne-lui, avec lui et en lui, à toi de la grâce innocente dans la vie des saints tout en la gloire, en Jésus est venu sur la terre nous montrer le chemin, la vérité, la vie. Il nous a montré à prier avec les mots qu'il nous a laissés et nous les reprenons ce soir. En action de grâce, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en ce lieu où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à toi ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et pour porter au monde la mondialisation de la paix dans le monde, échangeons la paix avec nos voisins de droite et gauche. Mais envoyons-la aussi dans le monde
je voulais donner la main à chacun et à chacune, et surtout les plus jeunes, les enfants, les bénir. Au nom du Seigneur Jésus, c'est ma joie. Tout à l'heure, après la dernière prière, je descendrai en bas. Vous êtes obligés, ceux qui veulent. Vous viendrez, et puis, de tout mon cœur, je vous prie mes vœux, comme on vient de chanter, joyeux Noël, la santé, la paix, la bénédiction. Nous nous levons pour une dernière prière à l'Église. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour anticiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a cédé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne à sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Joyeux Noël. Oh.
sont en train de triper, eux autres, là.